Le
Thank you.
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 Ah non, 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 mais il n'y a pas de raison de commencer par le titre. Mais comment ça, tu veux qu'on fasse un film sans titre? Ben oui, à quoi ça sert de toute façon un titre? Mais le titre, c'est ce qui donne la direction, ce qui donne le sens. Ah d'accord, oui, c'est vrai qu'on fait quand même un film sur l'amour et son orientation, sur le sens du désir, donc ok. Et donc, du coup, on fait quoi pour le titre? On le mettra à la fin. Hein? À la fin? Bon, j'allume la lumière et peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair, non? Voilà, 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 voilà. Ah mais personne va rien comprendre là. Ah oui, exactement, personne. Parce que les notions de sexe et de genre se sont peut-être un petit peu mélangées avec l'orientation sexuelle. Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser ça comme ça. Difficilement. Bon, on repart à zéro. Oui, 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 t'as raison, on va faire autrement. Ah, j'ai une idée. Grand 1, l'orientation sexuelle. Ah, mais c'est bien ça. C'est le titre, alors? Non. Grand 1, l'orientation sexuelle, c'est l'idée d'être attiré affectivement, physiquement ou sexuellement, par des personnes qui appartiennent à un sexe plutôt qu'à un autre. Ah oui, et pourquoi? La science ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que cette orientation s'impose à nous. C'est comme ça, ça ne résulte pas d'un choix. Il y a un sens des désirs, d'où le titre. Mais je croyais qu'on n'avait pas choisi de titre. Est-ce que tu vas me parler de ce titre encore longtemps? Grand 1, petit 1. Dans les orientations, il y a hétérosexuel et homosexuel et bisexuel et asexuel et pansexuel. Et... Attends, pas si vite. Ok, bisexuel, je vois. Mais asexuel? Asexuel, c'est sans attirance sexuelle, ni pour l'un, ni pour l'autre des sexes. Tu sais, c'est parfois confondu avec trouble du désir, mais ça n'a rien à voir, puisque la personne ne souffre pas. Et pansexuel? Alors, pansexuel, ça comprend deux choses essentielles dont on n'a pas du tout parlé. D'une part, le genre. D'autre part, la fluidité. Je sais que c'est pas vraiment notre sujet, mais je te propose quand même d'aborder ces deux notions. Génial! Bon, faisons un aparté. Commençons peut-être par faire la différence entre sexe et genre. J'ai l'impression qu'on a tendance à les confondre. Le sexe, c'est biologique et physiologique. Et dans la majorité des cas, c'est mâle ou femelle. Oula, attention, il existe aussi une grande variété de sexes dès la naissance, donc des personnes intersexuées. Et de plus, le sexe, ça n'est pas seulement anatomique. Cela concerne aussi les chromosomes, les hormones, et parfois, toutes ces composantes ne coïncident pas. Et donc, il existe beaucoup de cas de figure différents. Des personnes dont le sexe anatomique est intersexué, mais aussi des cas moins évidents où les organes génitaux extérieurs et les hormones ne sont pas concordants. C'est noté? Oui. Donc, passons au genre. Alors, le genre, c'est complètement différent. C'est une norme qui associe, par exemple, un type d'aspect ou des couleurs à un sexe. Le rose, le bleu. Mais aussi des rôles sociaux, comme cela. Mmh. Ou encore des comportements. Mmh. Et cela est propre à chaque société, et donc très mouvant selon les époques, les lieux, les cultures. Mais attention,
Le genre, c'est également la façon dont une personne se perçoit, qu'on peut appeler sexe psychologique ou identité de genre. Et le sexe et le genre d'une personne peuvent être différents, en fait, alors ? Alors, on est transgenre. Et si on est du genre de son sexe ? Alors, on est cisgenre. Mais cela ne détermine en rien notre orientation sexuelle. Un homme transgenre peut tout à fait être attiré uniquement par les femmes, ou uniquement par les hommes, ou les deux, ou une autre personne trans ou intersexe. D'accord. Donc, du coup, on a fini notre aparté. Ben oui. Ah, super. En fait, ce que nous disent les pansexuels, c'est que leur attirance va à des personnes qui peuvent être trans, hommes, femmes ou non-genrées, c'est-à-dire ni femmes ni hommes. Et donc, ils remettent en cause la binarité de genre. On pourrait parler plutôt de continuum. Exactement. Pour eux, comme pour les personnes queer et non-binaires, les genres ne sont que des normes, que nous acceptons ou non, mais qui ne sont pas stables, qui ont une histoire et dont nous pouvons changer. Et pour eux, de la même manière, on n'est pas cantonné à une sexualité dans le temps. C'est ce qu'on appelle la fluidité. C'est une manière de bouger, de refuser les catégories standards. Mais oui, mais bien sûr, en fait, cette complexité, c'est la vie, quoi. Tu sais quoi, d'ailleurs, moi, quand j'y pense, je suis attirée sexuellement par les hommes, mais je ne tombe amoureuse que de femmes. Oh ? Ouais. Du coup, je suis homo et hétéro en même temps, en fait. En même temps ? Ouais. C'est quand même pas la même chose, attirance sexuelle et émotionnelle, non ? D'ailleurs, j'ai vu que ça avait un nom. Je suis homo-romantique, mais hétérosexuelle. Mais alors, on peut aussi être asexuel et biromantique, bah ouais. Ou bisexuel, hétéroromantique. Ah, c'est d'ailleurs le plus courant, visiblement. Bisexuel, hétéroromantique. Mais tu sais, il y a encore plus de critères. On peut différencier vers qui va mon attirance sexuelle, avec qui je pratique réellement, quels sont mes fantasmes, et par qui je me sens le plus attirée émotionnellement. Et puis enfin, comment je me vois, comment je m'auto-définis. Et ces approches sont amenées à évoluer encore, évidemment. Évidemment. Et oui. On fait quoi pour le titre, vu que c'est un peu la fin, là? Oui, bah j'ai une idée. Hein? J'ai pensé à pas de titre en particulier. C'est bien, non? Ah ouais, c'est bien. Pas de titre en particulier. C'est simple. C'est ouais, vrai. C'est bien. Tu te rappelles ma voisine Chantal? Ouais. Eh ben elle est pansexuelle, mais hétéro-romantique. Non. Ah ouais. Incroyable. Et moi, tu sais, je me demande si je serais pas homosexuelle. Ouais. Aromantique, mm-hmm. Mais non-binaire. Ah waouh. C'est vachement rare. Ouais.
Je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça.
Thank you.
Thank you.